Salut les amis, c'est Stertor, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Frenzy Cube. Donc c'est notre premier épisode sur ce serveur, donc c'est un serveur en ultra hardcore, un serveur privé. Je vous laisserai le lien pour faire vos candidatures dans la description de la vidéo. Donc aujourd'hui pour ce premier épisode, on se retrouve pour un petit world tour. Donc on va commencer par le spawn. Donc là on a notre portail du Nether. Une petite mine commune où à peu près tout le monde est installé pour le moment avec ses coffres avant de pouvoir aller s'installer aux alentours du spawn, puis faire chacun ses bases où il le souhaite dans le monde, dans le monde tout simplement. Donc là on a notre petite table d'enchant, là on a les coffres de quelques personnes. Et je descends vous montrer quand même les aménagements parce qu'il y en a certains d'aménagés, comme le mien et celui de Cocoroi. Donc voilà, quelque chose de très simple, enfin pas très simple quoi, c'est très bien aménagé, mais dans un petit endroit quoi. Il a fait très beau dans un petit endroit. C'est plutôt ça que je voulais dire. Donc là une petite descente avec son endroit pour ses potions, tout simplement aménagé au thème du Nether. On va ressortir, je vous montrerai très rapidement chez moi, de toute façon vous le verrez assez souvent. Ah, il m'a mis une petite plaque de pression. Super. Voilà, donc là c'est chez moi. Le private sur les coffres, c'est un petit plugin pour éviter que chacun fouille dans les coffres des autres. Voilà un petit message d'un membre qui a l'air plutôt pas mal mémé. Donc moi je fais ma petite salle un peu dans le même style que Kokoro, mais beaucoup plus simple pour mes popos et mes fours. Donc là mon lit, hop, on va dormir un petit coup. Et j'ai agrandi un petit peu plus pour avoir une salle des coffres un peu plus grande. Donc avec tous mes coffres rangés, je suis pas mal stuff déjà. Donc je vous ai épargné dans le premier épisode d'aller miner, parce que tout le monde fait ça. Enfin miner c'est connu comme, comme voilà quoi, vous avez pas besoin de voir le minage. Donc mes coffres étaient ici avant, je les ai décalés parce que j'avais plus de place vu que la salle était petite. Je vous montrerai mon stuff et tout ça plus tard dans le deuxième épisode sûrement. Donc là on a la vue sur la petite salle de Kokoroi, ça donne plutôt pas mal vu de l'escalier. Là on a chez Valayar, donc très simple aussi avec apparemment des fours automatiques, je sais pas trop comment ça marche. Faudra que je vois un peu, que je lui demande. Puis en face chez Infinity Warp, donc c'est lui qui m'a mis le petit mot chez moi, c'est plutôt gentil. Donc lui c'est très très sobre. Voilà, donc on va descendre encore un peu pour avoir accès à normalement l'ancienne voilà, l'ancienne maison de chez Macaron, son ancien aménagement. Ici on a chez SK Venom, tout en bois. Voilà avec ses coffres. Puis ici, donc ici on a accès à un spawner à squelette. Donc je vais aller vous le montrer parce qu'il me semble qu'il a été aménagé. Bon alors non, au final il n'a pas été aménagé, j'ai dû me gourer dans les spawners, c'est pas ici que ça a été aménagé. Enfin voilà, c'est un spawner à zombies simple. Ensuite, on a le spawner à squelette juste en face. Voilà, donc nous voilà ressortis. Ici, on a le spawner à squelette un peu plus loin, donc il a été aménagé par Aaron. Donc on va aller voir ça de suite, c'est très joli la petite allée jusqu'au spawner. Donc voilà le spawner. Très classe dans le thème du spawner quoi, des spawners que l'on trouverait dans les mines quoi. Donc voilà, tout simple, très joli. Ensuite, donc en bas, je vais pas descendre jusqu'en bas, c'est juste des mines aménagées, minées tout droit quoi. Je crois pas qu'il y ait autre chose en bas. On va remonter de suite et on va faire un petit tour au spawn ici, puis après je vous montrerai le Nether. Donc arrivé ici à la mine, donc on a le portail du Nether ici. Ici on a la petite usine à poulet. D'ailleurs, voilà, ah, le produit bien d'ailleurs. Là pour les plumes. Ici on a un aménagement fait par Kravox, donc qui est le fondateur, je sais plus ce que c'est, mais on verra au fur et à mesure des épisodes. Je lui redemanderai, je sais plus du tout ce que c'est. Donc avec le petit beacon, c'est beau en fait, j'avais pas vu de l'intérieur. Très joli. Ici, on a donc nos villageois pour la reproduction où l'on a extrêmement galéré pour avoir le live mending. Donc, le PNJ, on l'a planqué là-bas derrière. Il faut éviter de le faire tuer. La dernière fois, il s'était fait tuer le PNJ. Ici, on a la petite maison, enfin, même assez grande maison de Macaron avec son petit port. C'est très joli. Très très joli. Il a l'air vachement fort au niveau build de lui. Donc, lui, toujours avec ses lamas. On va visiter rapidement, voilà, chez Macaron, les petits champs.
Une petite fenêtre. Four. Une sortie sur son jardin. Ah, il a encore des cultures ici de carottes. On va monter. Ici, on a accès à sa chambre. On va pas sauter sur son lit. Hop. Et en haut, ah bah en haut, il y a ses coffres. Un amortand pour son stuff. Une maison qui est plutôt en hauteur qu'en largeur. Très classe. Bon, j'ai pas fermé la trappe tout en haut, je crois, c'est pas grave. Hop, on ressort. Ensuite, on va aller visiter. Alors, on va aller visiter chez Aaron qui est là-bas. On va faire le tour par l'autre côté pour pouvoir faire visiter le reste du spawn. On va passer tout de suite sur la place du marché qui est juste là-bas. Ah, bah voilà le fondateur. Ah, il est connecté avec Mindchat. Alors, bon, là on a les pastèques. Faudra que je bouge ça d'ailleurs parce que c'est pas très classe. Ça non plus, cet arbre à. Cet arbre sans feuilles là pour la reproduction. Pour la production, pour la plantation, pardon. Hop, ici la petite place du marché. La petite fontaine. Donc là, on a la boutique de Aaron, donc qui est forgeron. Donc sa boutique n'est pas encore opérationnelle. Elle le sera sûrement par la suite. Et ici, on a le shop de Macaron. Donc Macaron qui est poissonnier. Donc pour l'instant, il vend une épée looting 3 émeraudes. D'ailleurs, peut-être que je vais lui acheter. Ça pourrait m'être fortement utile. Donc moi, je vais m'installer très bientôt, faire mon shop. Je vous le ferai sûrement en vidéo. Donc je m'installerai sûrement ici, là, au bord de la falaise, de la mini-falaise. Je vous dis pas encore ce que je vendrai. Ce sera la surprise pour la vidéo. Donc ça, c'est vu. On va passer ici. Voilà, on a des chevaux, quoi. Juste des chevaux squelettes. Ici, on a la ferme à canne à sucre faite par Kraux aussi je crois, et là la sorte de, on peut appeler ça une ferme je pense, à carottes, donc que j'ai réalisé juste tout à l'heure. Donc j'ai repris le modèle de Zephyr légèrement modifié parce que elle fonctionnait plus. Donc voilà, tout bête hein. On se met comme ça, on reste appuyé avec sa carotte et ça la fait pousser et casser simplement tout seul. Donc elle pousse grâce au hopper avec avec la bonne mille. Là-bas on a la maison, il me semble que c'est SK Venom. Donc ici c'est l'usine à fer, on y passera juste après. On va aller jusque là-bas voir la maison. Je crois bien que c'est SK Venom ça. J'ai un gros doute. Ouais, c'est ça, SK Venom. Donc c'est en construction pour le moment. Il a fait une descente, on va aller voir ce que c'est. Ah oui, il a installé déjà le bas. Donc sa cave. Je peux appeler sa cave. Donc là, on peut pas y aller. Je sais pas ce qu'il a foutu derrière. Je vais pas y aller si c'est fermé. Et qu'on peut pas. On peut pas, pardon, ouvrir la porte sans la casser. Voilà, donc il y a personne d'autre d'installé. Par ici, non. Je vérifie bien parce que je suis pas venu sur le serveur. Enfin, je suis pas venu par ici depuis hier. Donc. Il faut que quelqu'un se soit installé aujourd'hui. Donc on va passer à l'usine à fer vite fait. Voilà, donc très simple, hein, l'usine à fer avec la descente, avec l'eau, hop. On arrive à l'usine à fer. Je sais pas s'il y aurait, oui, il y aura une déco de fête par Macaron apparemment dans l'usine à fer. D'ailleurs je vais prendre quelques fers, hop, juste en mettre un, voilà, comme ça pour que ça fasse le plein. Donc oui, Macaron nous fera apparemment un très beau design d'après ce que j'ai compris. Et on va aller voir pour finir au spawn chez Aaron. Voilà, on avait vite fait encore des chevaux. Et nos vaches, il faudra que je les reproduise. D'ailleurs les vaches ça peut servir. Donc chez Aaron c'est en construction et apparemment il a commencé ce matin, je crois. Donc ça va être énorme chez lui je pense, vu la taille que ça prend déjà là. Je sais pas si ce sera sur plusieurs étages ou juste sur un seul, on verra ça par la suite. Donc je vais faire je pense les world tours tous les 15-20 épisodes, vu qu'il n'y a pas grand monde pour l'instant sur le serveur. Donc là il y a une île centrale avec un panneau de Kraux disant que ça sera un projet pour lui. Ah oui, en passant je vais vous montrer donc là la petite usine à pêche, je crois qu'on peut appeler ça comme ça. Je sais pas du tout comment ça s'appelle en vrai parce que je sais absolument pas m'en servir. Ça a été fait par Aaron, ça il me semble.
Donc là, c'est l'usine à poulet qu'on entend. On va aller voir vite fait dans le Nether, le spawn du Nether, qui est très bien réalisé. Je sais pas du tout qui c'est qui l'a fait. Bon, là, ça va peut-être mettre. Voilà. Ça prend un peu plus de temps parce que j'ai une queue un peu pourrie là. Allez, rendez-moi mon stuff. Voilà. Donc là, il y a encore tous les fours. Je pense que c'est parce que c'est pour la construction. Donc là, on arrive ici en face. On a le chemin pour aller direction chez moi. Donc je vous dis pas encore quel biome j'ai choisi, on verra ça dans les prochaines vidéos. Là j'ai fait vite fait un endroit pour les verrues du Nether parce qu'elles étaient en plein milieu du spawn sur le monde normal et ça faisait un peu moche. En sortant du portail ça faisait un peu pourri. Par ici c'est chez personne, je crois que c'est fermé. Par ici c'est chez Krawox, donc on ira voir par chez lui plus tard. Par ici c'est l'usine à or XP, ok ça c'est Kokoroa qui a commencé à faire ça. Et par là-bas, je pense que c'est chez Aaron, mais je suis pas sûr du tout, parce qu'il m'a dit qu'il s'était réservé son biome. Mais je sais pas si c'est lui ou pas. Donc voilà, après les autres chemins, je sais pas s'il y a d'autres chemins, je connais pas, bref. On va retourner sur le monde normal pour terminer la vidéo. Donc on va aller se mettre sur la place du marché qui est très jolie. Hop, hop, hop. Voilà, on va se mettre à la fontaine. Donc voilà tout pour cette vidéo. J'espère que ce petit world tour vous aura plu pour la première vidéo sur les serveurs. N'hésitez pas à faire vos candidatures, je vous mets tout dans la description. Vous verrez après avec les fondateurs si vous êtes accepté ou pas. Donc voilà, c'est tout. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, à laisser un petit commentaire si la vidéo vous plaît. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.